Bah, je joue une femme. Depuis combien de temps me traques-tu, ami des loups? 17 hivers? 18? Suis-je partout dans tes rêves? Le réalisme! A t'échauffer les reins? Le trait du visage? Tu te souviens de ça? Ah, la hache de ton père. L'arme d'un couard. D'un pauvre serpent. Couard, pas vraiment, il a défendu son peuple. Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort, en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Tu finiras ta vie en esclave. Asservi. Et humilié. Et tu mourras pense pas, seul. Non. Non. Tuez tout son équipage. Je veux qu'il souffre. Eivor, l'ami des loups, n'existe plus. Ce nom disparaît de ce monde. Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein? Au navire. Allez, défends-toi. Au moindre geste. Je t'arrache les yeux, tu entends? Le vent souffle du sud. Nous partirons au nord avant de couper vers l'ouest. Qu'est-ce que je viens de te dire? Oh, bien joué! Allez, défends-toi! Oh, la musique aussi! Ah, c'est génial. Ça doit faire mal, ça! Libre! Elle est tellement badass! Pas de festin pour toi, Céline. L'équipage est en danger. À toi d'être mes yeux. Ok, on me lâche comme ça dans la nature. Trouvez votre équipage et le libérez. C'est incroyable, les amis. Pour les touches, ok. Alors, B c'est pour se baisser. Ensuite, X c'est pour esquiver. C'est la même configuration que Assassin's Creed Origins, on dirait. De souvenir, parce que ça fait un petit moment que je l'ai terminé. Ok, je peux me soigner avec des denrées à proximité des feux de camp. Les amis, j'en prends plein les yeux, c'est incroyable ce qu'on découvre ici. Je me sens mieux. Plus forte. La touche A, c'est comme dans les autres Assassin's Creed. C'est lorsqu'on se déplace en dynamique, on peut sortir des fenêtres, on peut sortir des portes assez facilement. Comme ça, ça fluidifie l'action. Ah, j'ai juste envie de me balader comme ça et puis d'explorer un maximum autour de moi. On va suivre notre boussole ici. À 800 mètres, on va pouvoir arriver à notre objectif. Ok, je vais suivre le petit symbole de l'aigle. Oh là là, mais quelle agilité! Voilà, je suis au sommet. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à voir le paysage en 360 degrés maintenant? C'est là que ce briseur de serments retient mon équipage. C'est incroyable! Et puis, on va poursuivre par un saut de l'ange maintenant. Ah non, c'est pas un saut de l'ange! Ah, par contre, je dois remonter à la surface. C'est un petit peu froid. Ouh, j'ai froid pour elle. Je dois rester prudente. Ok. Donc là, je suis caché. On m'attaquera à vue par ici. Dans la tête! Je dois faire très attention, comme je suis en zone interdite. On va continuer par là. Ce paysage, la musique... Des guerriers de Tiodvé. Il ne faut pas qu'ils me voient.
fois que Kyotve possédera ses terres, nous vivrons comme des Jarls. Pas tant que survivra le clan du Grand Corbeau, ils se battent comme des berserkers. Eivor, l'ami des loups, a tué une vingtaine d'entre nous avant d'être maîtrisé. Bah, Eivor et oui. Tâtera du fouet du marteau. Et si tu savais, je suis juste et là. Puisque le prince Sigurd est sûrement perdu en mer, comment est-ce que je pourrais faire? Les grands corbeaux ne sont qu'un souvenir. D'accord, ils vont se séparer. Et moi, je vais pouvoir tirer une flèche à travers. Et 2-1. Et 2-2. J'avais rien pu faire. Est-ce que je peux? Non, je peux pas fouiller, ils n'ont rien du tout. J'ai récupéré mes flèches par contre. Je vais peut-être passer par là, c'est plus prudent. Je ne vois pas d'ennemis, donc pour l'instant ça va. Ok. Plus qu'une centaine de mètres, et j'y suis. Du fer qui résonne. On se bat près d'ici. Vieux chien, tu es vivant. Et un ami. Oui. J'ai pu m'éclipser pendant le combat. Et toi? Kyotve a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Avaldsnes il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il doit encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureuse de gloire. Tu irais les sauver toute seule pour que l'on chante tes exploits. Je peux aussi attaquer la plage si tu préfères. Tuer 20 hommes, reprendre notre navire et déployer la voile en triomphe. Non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi, fouille la maison longue à la recherche de nos hommes. Oh, oui, monsieur. Tiens, ce cadavre n'en aura plus besoin. Va, je te retrouverai au navire. La bataille pour la voie du Nord. Excellent. Ok, est-ce que je suis assez préparé? Il existe 3 emplacements principaux pour les armes. Chaque arme est unique et possède son propre style de combat. Voilà. J'imagine ici qu'on peut voir la carte du monde comme d'habitude. Les compétences ici sous forme d'astres. Très joli. Très joli. Donc on démarre puissance 1 logiquement. Le codex qui représente le didacticiel et la base de données ainsi que les quêtes. L'objectif se trouve à moins de 100 mètres. Par où je peux passer? Je ne vais pas passer par la grande porte. Les guerriers de Kyotve grouillent à Avaldsnes autant que des poux. Si je passe par la grande porte, je risque d'attirer l'attention. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Inspecte les alentours, Sinin. On va essayer de passer ici, discrètement. Je ne dois pas être vu par ici. La maison longue, l'équipage devrait être à l'intérieur. Ok, je passe par le toit ici, et je vais passer par là. Si tu gigotes trop, ma hache va ripper sur ta nuque. Ce serait dommage. Si je dois mourir... Je refuse de te faciliter la tâche. Ok. Ils sont emprisonnés ici. Je vais descendre un niveau plus bas. Juste là. Discrètement, tout doucement. Espèce de lâche, libère-moi et donne-moi une hache. Je ne te dois rien, fiente de corbeau. Ton clan ne compte que des esclaves et des paysans. Laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Ok, un combat direct comme ça. Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves. Et non, je suis là. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, Odin sera ravi de t'accueillir. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Odin ! Je vais te vendre à Hel en personne. Qui ? Ah ! Agenouille-toi, Nidelou, et je t'épargnerai. Ferme-la et bats-toi. Allez, sac de fiance. Ok, là c'est un peu le diaxiel pour apprendre à combattre. Une esquive ou une attaque manquée consomme de l'endurance. Oh
Oh! Oh là là, mais comme je l'enchaîne! Bien, qu'est-ce que tu peux faire? Ah, j'étais supposé parer. Oh, oh, il est quand même balèze. Oh, oh. Ah, je récupère ma hache. Père, tu aurais dû la garder en main jusqu'à ta mort. Tu pourras te venger. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Non. Otage ! Non, Varine. Tuez les tous ! On revit des souvenirs. Oh, un loup ! Oh ! Il n'y a pas qu'un loup.